T'as testé Black Goku en off, je l'ai testé en live, Black Goku. Cette map, ça va, elle est bien en vrai celle-là. Il y a des décors, mais, mais c'est pas genre trop bug caméra et tout. Kid Buu, le prendre avec Ginyu, ça serait pas mal. Hein. Ça serait pas mal du tout, même. Après, si on lui casse la gueule, ça me va aussi. Ok, une barre de vie, tiens. En vrai, on domine dans les échanges, autant aller chercher le boost là. Kiwi. Dès qu'il se transforme, on part en arrière. Je vais le réflexe de la garde là. Quel noobar je fais? Non, les gars, je peux pas switcher de perso. Oh, je peux pas switcher de perso. Lui, il a switché devant ma gueule sans pitié. Oh là là. Oh my god. Bah là, là, je suis en train de perdre actuellement. Parce que je peux pas switcher de perso. Ok, nice. On revient du coup. Après, un congrès, j'ai envie de dire. Il a essayé de récupérer ses points de vie. Pas mal ça, Bartin. C'est vraiment trop lent le sommeil à placer. Hein. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas moyen de combo le courage fillon avec le sommeil? Enfin, niveau point, ça passe pas directement, mais... Genre, si tu setup le courage fillon, là... Et là, du coup, je pouvais pas le... Je pouvais pas le cancel. Peut-être qu'il y a moyen de combo les deux, non? C'est Perfect Vanish, hein, c'est même pas l'image rémanente qui est partie, les gars. C'est bel et bien Perfect Vanish. Oh là là. Oh,
Mais... C'est quoi tous ces super contres là? Ah, je vais perdre Bartha. Bah, si je perds cette game parce que je peux pas switcher, je vais vraiment être en PLS là. Il est vraiment moins fort que moi. Je sais pas si ça dure combien de temps le courage fuyon, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il avait eu le temps de revoir les 4 points. Et il avait encore le boost. Ça c'est sûr et certain. Ça, je suis trop con sa mère. Coup de dégâts là. Explosé Gis. C'est pas trop mal là, je sais plus respirer. Je pense pas qu'on tue quand même là. Quoique, hein. Et l'ulti de Jis il fait vraiment trop mal hein. Ça passe pas loin hein. Nice. Le grand Bartha, qu'est-ce qu'il agrappe son gameplay? Ouais, mais par contre, je trouve que je prends beaucoup de super contre sur Bartha. C'est l'impression que j'ai. Le rank up à 5, Trunksu. C'est une bonne question, ça. Quel est le perso qui fait le plus de dégâts sur l'ulti, les gars? Bon, Ginyu, pour l'instant, c'est un gros coup de cœur. Je pense que je me sers pas assez de Rikum, les gars. Je pense que le perso dont je me sers pas assez, c'est clairement Rikum pour l'instant. Et il a un gameplay spécial un peu. Démarrer avec son Trunks. Terrifiant. Un démarrage. 4 contre 4. On va lui prendre pour la peine. Après, ça fait un différentiel d'une barre de vie. Ouais, c'était pas ouf à ce moment-ci de faire ça. Il y avait mieux à faire, mais. Bah, les mus, juste, je pense, combo et essayer de lui enlever la barre de vie différentielle qu'on avait, tu vois. Parce qu'en plus, je l'aurais. Je l'aurais, au final, c'est sûr et certain. Ciao bello. Bon du coup pour point kill. Merci Guignou le roi. Et là c'est mission mettre un maximum de dégâts avec Trunks sur son deuxième perso. Tout ce qu'on prend c'est du bonus les gars. Nous on peut pas switcher là.
Ah, c'est déjà pas mal, on a déjà pris une barre de vie. C'est bien, même si je venais à le perdre là, là. J'ai pas pensé à relever ses points de compétence. Allez, bad. Nickel. Ah mais... En fait j'avais pas capté mais... C'est... Quand je faisais ça là c'était pas un Kiko, c'était un coup tu vois. Pour ça la perception me touchait. Bon super game de Guignol hein, ouais. Au final on s'en sort méga bien. Ok, blague Goku. C'est vrai qu'il débite quand même. Il débite énervé, Bartin. Faut pas s'en dire. Ah, ce qui est trop fort aussi, c'est sur les clashs de TP, Bartin. Le fait qu'il puisse se TP plusieurs fois pour un perso qui coûte aussi peu cher, c'est vraiment une dinguerie. Dommage que je les perde depuis tout à l'heure. Alors par contre ça serait bien de pas faire le tocard là. Surtout qu'on peut setup des images rémanentes pour assurer un switch assez facile. Voilà. Il va fusionner? Ça me va honnêtement s'il fusionne. Kame Sennin derrière il est pas bien. Je l'ai pas tué Kame Sennin je crois. Mais il s'est barré avant que je le tue je crois. Bon il est pas bien en termes de point de vue. Ok bon, là il me laisse plus respirer. Ah il joue pas la fusion en fait. Et voilà les gars, toujours pareil. Ah non, j'ai cru que ça allait déco, my bad. My bad, j'ai cru que ça avait rage quit. Jis et Barta ils font une... Bon, honnêtement les trois font une game de zinzin pour l'instant. Jis, Barta, Ginyu. Attends les dégâts qu'il met. Franchement. En face il me rush trop en fait, du coup ça fait qu'il a jamais de ki. Rien. Oh la D, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire là de compétence. Prends pas, hein, c'est dans la garde. C'est nice. Rekum maintenant. Bien sûr. Oh.
Une game menée du même maître, ça. Ok, nice. Bah, c'est fort. Hein. C'est quand même. En vrai, la meilleure compo en DP, c'est la team Ginyu, c'est trop fort. C'est vraiment fort. Mais je trouve ça moins fort que joueur jouer Yajiro B, Kame Sennin, tu vois, par exemple. Je trouve jouer Yajiro B, Kame Sennin. Je sais pas, genre par exemple Videl, tu vois. Donc ça, ça coûte 6. Et derrière, tu joues un 4 et un 5, tu vois. Genre Black Goku et Gohan Baz, par exemple. Même tu peux jouer un 7 et un autre 2. Après, en note 2, il y en a 3 des deux qui sont bien. Il y a Videl, il y a Jirobe, Kame Sennin. Ouais, tu joues ces 3 là du coup, potentiellement. Mais non, Fitz contre Blitz. J'ai pas testé Gohan adulte, les gars, encore. Faut vraiment que j'essaie de jouer plus avec Rikoum. Putain, je joue quasiment pas avec Rikoum. Après, le truc, c'est que Bartha, il est trop fort. Bartha, c'est vraiment un monstre. Jis, il est cool, genre. L'ultime, il fait mal. Du coup, c'est vrai que. Pas forcément tout le temps envie de. Le switcher quoi. Oh my god. Non, j'imagine que l'échange de corps ne marche pas. Franchement, j'aurais pu l'enchaîner là. Ah, moi j'en ai rien à foutre. Je te spam la gueule. Je te spam la gueule avant que tu me spam la gueule en fait, mon frérot. Tu m'en voudras pas. C'est toi ou moi quoi. Allez, ciao. Jure, elle est pas morte. Il me semblait qu'il y avait plus de bonus. Nice, les gars, nice. Je trouve les géants nuls, moi, mais je pense que t'es pas tombé contre un mec qui sait jouer les géants. T'es mal à... en vrai de vrai, il est pas face à moi là. Je sais pas pourquoi la chope à touche. Janemba il a taqué de points de vie en plus hein. Bah la vérité ça m'arrange. On va juste switcher par contre. Oui, bon ça. Un coup qui retourne en combo derrière. On aime bien. J'ai rien compris ce qui s'est passé. Juste le tir. Tu vois là par exemple, pour H Fillon, visiblement face à Jamba, ça marche pas. Merde, je pensais que j'allais retrouver le focus, mais pas. Oui, bon. Mmh.
M'arrange tellement qu'il est transfo. En vrai, Rico, mais ça peut peut-être être bien contre les géants avec son ultime d'ailleurs. Ah ouais, hein, ça peut être pas mal, je pense. Les gars, quand on joue géant, genre lui là, la caméra pour lui aussi elle a aucun putain de sens ou c'est que pour le joueur qui joue pas les géants? Parce que pour moi la caméra elle a aucun sens. Hein. Elle veut rien dire la caméra. Là. Je sais pas ce qu'elle essaye de montrer mais elle y arrive pas quoi. Pour lui aussi c'est gaze. Ok ok. Par contre, j'avoue que je me sens safe avec Rikoum là. Je me sens pas dérangé du tout pour le coup. Petite bite. Non, faut le dire. Petite bite, full géant. C'était Blitz, les gars. Si jamais vous croisez Blitz. Bon, après, changer de pseudo sur Sim, ça prend 2 secondes. Hein. Mais Blitz à 5, je crois. Petite bite. Faut le dire. Ça joue full géant, ça se fait mêler, ça rage quitte. Je crois que son but, c'est pas de prendre du plaisir, son but, c'est de gagner des points. Avec un truc que beaucoup de gens savent pas contrer, tu vois. Je pense, hein. Oh! Miraigon. Ah, 1. Let's go. Pas mal Mirai quand même. Mais en vrai, ça sert à rien de le tabasser là si je comptais changer les corps en fait. Je suis en train de penser. Vaut mieux que j'échange les corps dès que c'est possible. Je le tabasse, mais du coup, je m'enlève des points de vie à moi quoi. Au final. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais. Au final, je vous ai emmené au même nombre de points de vie, ça me met dans la délire. Bien joué. Ah, déjà. Il est toujours devant au niveau des ressources. Ah, bien joué! Et il est en train de me faire un boulot avec Guignou là! Rends-moi mon Guignou! Il est en train de trop bien gérer les ressources en fait. Toujours devant, je cale pas un super contre. Dès que j'arrive à l'attraper, j'en ai bouffé un. Hein. Dur. Et je peux pas switcher les gars. Donc vu que je peux pas switcher, bah j'ai perdu 2 persos. Qu'est-ce que c'est relou. Ah.
Vive mon patch. Je te calais vraiment super tard là. Là c'est tout. Qu'est-ce que ça passait même. Je pensais que j'aurais le temps de garder là. Choqué déçu. Merci Hamza pour le prime mec. Merci, bienvenue à toi. Qu'est-ce que je le kiffe ce Goku bordel. Trop stylé, trop fort. Par contre il est un peu mêlé en face. Ouais, mais bon je prendrai pas la revanche les gars, je peux pas switcher de perso, ça me désavantage trop quoi. Perfect. Ça me fout tellement la rage quand lui il te switch à la gueule alors que toi tu peux pas switcher. Tellement frustrant. Tu vois là j'aurais aimé voir s'il pouvait me cancel ou non. Vu que j'avais fait un courage fusion juste avant. Ah mais en fait ça se garde ça hein. Ok je pensais que ça se gardait pas. J'ai déjà vu.